Voilà, on se retrouve de nouveau sous le stand commensal, mais cette fois-ci on a la chance d'être avec Myriam Nicole, qui a fini aussi comme les garçons sa qualification. Ça s'est aussi très bien passé pour elle. Elle revient après une saison qui était moyenne. Comment tu l'as définie? Ouais, j'ai fait un bon début. Quand j'étais là, j'étais bien là, avec trois podiums, une victoire. Puis après, une petite blessure, ça fait partie du jeu. Donc voilà, je sais qu'après une blessure, il faut toujours un peu de temps pour revenir et c'est normal. Donc je le prends à bras ouverts. Ouais, Myriam aujourd'hui elle a le quatrième temps, donc demain tout est possible. Ton objectif pour demain? Aller chercher le mieux sur le podium. Figurer parmi les trois, c'est sûr que ce serait très bien. Et puis essayer de tirer un peu plus et puis d'être fière de moi. Aujourd'hui j'ai un peu galéré, il y a des gros jumps sur la piste que je passais sans souci sous le sec. Et là, vu les conditions, j'ai pas osé me jeter dessus pendant la qualif, donc demain un peu plus d'attaque. Voilà, vous l'avez vu, la piste est très très changeante. Demain on a affaire, je pense, à une course très ouverte. Ouais. C'est qui la favorite pour demain? Aujourd'hui, cette année qui nous a montré, hein, elle a mis 8 secondes à la deuxième. Donc les Anglaises très fortes sous la pluie, hein, bon, ça c'est une habitude, donc j'espère que tu vas bien représenter la France. Et puis pour une victoire ici, quoi, c'est clair, à la Bresse, c'est l'objectif. Quoi. Merci Myriam, merci. Bonne course demain. Au revoir.